Mardi 19 mars. 35e jour du carême à domicile. Saint Joseph et Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, 1515 à 1582, aimait particulièrement Saint Joseph et ce grand saint lui accordait de nombreuses grâces. Voici une histoire vraie qui montre l'intercession de Saint Joseph pour Sainte Thérèse. Sainte Thérèse d'Avila part pour aller fonder un monastère à Vea en Andalousie. En traversant les défilés de la Sierra Morena, les conducteurs des chariots s'égarent et avancent imprudemment le long d'un passage si étroit que l'on ne peut plus ni avancer ni reculer. Thérèse et ses compagnes sont suspendues au-dessus de précipices et de fondrières. Au moindre mouvement, elles vont y rouler avec leur équipage. Prions, mes filles, dit la sainte, demandons à Dieu l'intercession de Saint Joseph pour qu'il nous délivre de ce péril. À l'instant même, une voix semblable à celle d'un vieillard crie avec force : arrêtez, arrêtez. Vous êtes perdus si vous avancez. Mais comment nous tirer de ce mauvais pas ? Demande-t-elle. Inclinez vos chariots de tel côté, reprend la voie et rebroussez chemin. Les indications sont suivies, les guides, à leur grande surprise, retrouvent aussitôt une route excellente et, plein de reconnaissance envers leur sauveur, ils s'élancent du côté où ils ont entendu la voix afin de le remercier. Thérèse les suit du regard, vraiment. Je ne sais pourquoi nous laissons aller ces bonnes gens car c'est la voix de notre Père Saint Joseph que nous avons entendue et ils ne le trouveront pas. Prière. Cher Saint Joseph, j'aimerais avoir la foi et l'audace de Sainte Thérèse d'Avila quand je prie. Aide-moi, soutiens-moi. Que ma vie soit toujours sous le regard de ton Fils adoptif et tant aimé, Jésus. Amen.